Alors, El Immigrante, explication, tutoriel, c'est parti. Donc l'intro, on commence 5-5-5. Ah oui, alors, je montre la petite tablature concernant l'intro. Voilà. Ce qui nous donne comme ça. Comme ça, et d'un coup rapide, ça fait... Ensuite, avec le doigt comme ça. Ensuite en fa. Je descends un mi. Ensuite, je descends juste les trois cordes du ré mineur. Rapide. Alors lentement. D'accord, comme ça avec un colpé sur un la mineur. Voilà. Un pouce, annulaire, index. C'est un rasgado. C'est le rasgado en flamenco, comme ça. Ensuite mi, et là la basse je fais ici avec un golpé aussi, voilà, et le tout je fais deux fois, donc je recommence lentement. Pardon. Fait la petite intro. Donc on arrive comme ça. Tengo que hacer un rosario con tu diente de ma vie. Etc. Alors le compas, si on peut appeler ça la rythmique plus exactement, c'est comme ça. Avec un golpé. 1, comme ça. D'accord? Tac, je fais la basse et je golpe, je fais un golpé en même temps. 1, ensuite 2, 3, 4, ça c'est le fameux rasgado. Pouce, annulaire, index. D'accord? Pouce vers le haut, annulaire vers le bas, index vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après c'est des comme ça, c'est des pouces vers le haut et ces trois doigts là, d'accord? Index majeur annulaire vers le bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, au niveau des accords, voici donc pour cette petite partie. Voilà, il s'agit juste des trois premiers paragraphes, d'accord, dont on va parler. D'accord? Donc l'intro, c'est là, la mineur, mi, la mineur. Okay? Et donc, on commence d'ici. On a les deux premiers couplets et ensuite le petit pont là. Alors on y va. Donc les couplets, donc, avec cette rythmique que je viens d'expliquer. Donc, on arrive sur un la mineur comme ça. Tengo que hacer un rosario con tu diente. La 7,
desano. Ré mineur. Cuando te lejos de ti. Et là, je descends à la mineur. D'accord ? C'est le la mineur que j'ai mis au milieu, que j'ai mis entre les couplets. D'accord ? Sobre su cuenta divina. Je descends à la mineur et là ça va être que des descentes. Adio mi pana que, adio mi pana queria. Sol, dentro de mi alma. Fa, te llevo metia. À nouveau la mineur. Aunque soy un emigrante. Sol, amar en la vida. Yo podré olvidarte. Voilà, jusqu'à là. Alors, donc, on arrive à olvidarte sur un mi. Ok. Et là, je vous montre la suite. Donc, la suite, c'est à partir de mon doigt, là. D'accord. Voilà, on va faire un petit peu de des petites notes à la guitare. Jusqu'à là. Jusqu'à un la. D'accord. Ensuite, il y aura de la chanson. Et ensuite, il y aura un tout petit bout de guitare. Et ensuite, deux accords. On va voir ça ensemble. Voilà, donc là, pour faire une capture d'écran. C'est parti. Et oui, pardon. Et au niveau de la partition, donc c'est à partir de quando. Quando sali. De mi tierra. Voilà pour les accords. C'est parti. Donc on arrive à... Yo podré olvidarte. Et là, donc... Alors, évidemment, dans la réalité, il faudra le jouer avec le picado. Etc. Donc, ça nous les donne, les notes, ça nous donne 1, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 3. C'est annulaire qui descend. Je mets mon pouce ici, comme en bouleria, d'accord, par exemple. C'est-à-dire, je pose mon pouce, je descends l'annulaire, puis le majeur, puis l'index. Voilà, c'est une sorte de rasgado. D'accord, il y a rasgado, il y a celui-là, il y a plein de rasgado différents. Donc, comme ça. Habituel. Quando sali de mi tierra, volvi la cara llorando, porque lo que me quería, atrás me lo va dejando, llevaba por Là, cette fois-ci, un recuerdo. Le deuxième là, on le fait comme ça. Un recuerdo de una pena. Et là, on fait le petit bout à la guitare comme ça. 2-0, 4-0. Je fais un mi et je fais comme ça. Je fais plein de rasgado. C'est-à-dire pouce, annulaire, index. Pouce, annulaire, index. Pouce, annulaire, index. Pouce. Annulaire vers le bas, index vers le bas, pouce, annulaire vers le bas, index vers le bas, comme ça. Un rosario de marfil. La mineure et idem. Voilà. Alors, suite et fin. Donc, on arrive à un rosario de marfil.
Adio mi España. Ah oui, pardon. Le texte. Le texte avec les accords en face. Donc à partir de Adio mi España. Voilà, d'accord. Donc on y va. Donc c'est par contre c'est exactement les mêmes choses que précédemment. Là c'est juste le texte qui change. Donc Adio mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, amar en la vía, yo podré olvidarte. Là, à nouveau, le passage comme ça. Puis à nouveau, le rythme comme ça. Enfin, on peut faire comme c'est-à-dire, on peut faire comme ça. Voilà, la première fois, le premier là, je le fais comme ça au lieu de comme ça. Pourquoi? Parce que j'arrive, c'est-à-dire j'arrive de là. Et après, j'enchaîne sur une rythmique normale. Donc, je suis un pauvre immigrante qui traigo esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con los colores de España con mi patria, con mi novia mi vida de San Gil. Et là, le deuxième là, on fait comme ça, on descend. Y mi rosario de cuenta. Comme tout à l'heure, on fait à nouveau un mi comme ça. Yo me quisiera morir. À nouveau un comme ça. Et puis là, on peut faire comme ça. Là, c'est une mouche. C'est-à-dire, je viens taper avec mon majeur. Je viens taper l'ongle du majeur. Je viens taper ici. Et je descends. Je fais un peu les deux en même temps. Tac, tac. Ça fait mi. Là, c'est une façon de finir. Eh bien, bon courage. Voilà, à bientôt.